pour une nouvelle vidéo euh, ce sera une nouvelle vidéo euh, jouée euh, voilà nous sommes allés euh, dimanche euh, non samedi dernier à la gruche et geek euh, convention donc euh, c'est une convention euh, euh, jeux vidéo qui se fait euh, tous les ans à peu près je pense j'espère ne pas dire de bêtises euh, voilà et euh, et du coup on l'avait fait il y a deux ans, c'était super sympa. Euh, en fait il y a deux ans, si je ne me... je dis pas non plus de bêtises, c'était Polo Débile euh, qui a une chaîne YouTube et qui est assez connue je pense, euh, qui organisait euh, la Geek Convention. Donc voilà. Euh, là cette année, je trouve que ça a pris plus euh, plus d'ampleur quand même. C'est super sympa quand on va là-bas car il euh, y a plein de stands où on peut acheter euh, des vieux jeux. Des... On trouve aussi des créations. on trouve, on trouve pas mal de choses euh, sur l'univers euh, du jeu. On peut jouer aussi aux jeux vidéo. Il euh, y a toutes les consoles possibles pour jouer gratuitement en plus. Euh, donc voilà. Et on avait un stand euh, qui s'appelle les 80s où ils ont un, un site sur, euh, sur Facebook et je les suis depuis très très longtemps. Ils avaient créé aussi un forum il y a quelques années qui doit toujours être ouvert où ils parlent des jeux des, et des jouets rétro. Donc voilà, et c'est là que c'est sur ce stand où on a craqué un peu notre slip, on va dire, car ils avaient de belles choses. En fait, ils vendent, ils vendaient leurs doubles, euh, comme nous on peut faire quand on trouve des doubles, on les échange ou on les vend. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je vais pouvoir vous présenter tout ce que j'ai trouvé. Euh, donc on va commencer sans plus attendre et j'ai fait une très très belle trouvaille. C'est quelque chose que... Alors j'avoue j'ai trou... trouvé plus pour moi que pour mon mari. Enfin mon mari a moins trouvé pour lui. Donc euh, moi c'est une trouvaille que je vais vous montrer où je trouve peu de choses très rarement et c'est le monde euh, des euh, bisounours. Et j'ai trouvé euh, cette voiture avec les bisounours à l'intérieur. Euh, les bisounours, j'avais ces deux-là. Donc, il y avait le bleu. Attends, je vais essayer de vous montrer mieux. Voilà. Donc, celui-ci, euh, avec écrit Pampers derrière, qui est effacé parce que... Oui, il est effacé. Sur le mien, y a, j'ai pas de souci. J'ai le petit bleu. J'ai aussi euh, le rose. Vous voyez, là, il est écrit Pampers. Voilà. Et je suis contente car celui-ci, euh, celui avec l'arc-en-ciel, par contre, le, la voiture euh, l'a abîmé à ce niveau de l'arc-en-ciel. Celui-ci, je l'avais pas. Donc, euh, du coup, celui-ci rentre dans ma collection. Et euh, bah, la voiture, je l'avais pas. Donc, hélas, elle n'est pas complète. Mais déjà, de rien que de trouver l'objet euh, en lui-même était déjà fort sympathique, car en 3-4 ans de de foire à tout, je l'ai jamais vu. Donc, il manque son pare-brise. Il manque le petit volant juste ici et il manque le petit parasol. Voilà. Si un jour je la retrouve complète, je changerai pour celle-ci. Ou alors si je trouvais les pièces détachées, ce serait super. Donc voilà. Et elle m'a annoncé le tout à 10 euros. Donc c'est pour ça que j'ai pris même ceux que j'avais en double car je trouvais que c'était très raisonnable. En plus, nous sommes dans une convention, donc les... c'est vrai que les prix ne sont pas les mêmes qu'en foire à tout, mais j'ai trouvé ça super raisonnable. Euh, donc voilà, et ça rentre dans ma petite collection de bisounours. Je vais essayer de vous montrer euh, ce que j'avais déjà. Attendez. Alors, je vous ai retourné et je vous ai mis en hauteur, car tous mes bisounours euh, sont en hauteur. Comme vous pouvez voir, j'en ai euh, quelques-uns trouvés en foire à tout. Voilà, il m'en manque, hein, bien entendu. Ça se trouve pas tous les jours, mais ce qu'on trouve pas tous les jours, vous voyez, c'est celle-ci. Euh, ça, j'ai beaucoup de mal, et celle-ci à les trouver. Voilà, j'avais juste, j'ai juste ça. Le bleu, le rose, le vert et le jaune, je dirais. Et donc j'ai trouvé l'autre rose avec l'arc-en-ciel qui va aller ici. Et du coup, je vais poser ma voiture juste à côté euh, de mes bisounours. Donc voilà pour ma petite collection de bisounours. Donc voilà pour mes bisounours. Et euh, comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup. Et c'est surtout qu'au niveau de, de la petite voiture, bah, je l'avais pas. Donc très très contente de l'avoir trouvé. Ensuite, ce que j'ai trouvé, c'est une peluche. Bon, elle n'est pas en super bêta. Mais c'est pareil, c'est quelque chose que je n'avais pas encore trouvé. Et c'est la peluche Snorky. Donc, elle a perdu de ses couleurs, elle est plus euh, verte euh, intense. Euh, je crois que le rose est un petit peu plus rose aussi, mais bon, le fait d'avoir trouvé euh, l'objet est, est aussi très plaisant. Euh, donc voilà pour ça. Et euh, sinon, moi, j'ai seulement euh, les petites figurines euh, Snorky. J'en ai euh, quelques unes. Donc, euh, bah voilà, c'est pas ce que je trouve le plus souvent. Donc très contente euh, de rentrer ça aussi. Ensuite. Nous avons euh, trouvé, donc là c'est plus pour monsieur, mais bon, moi je sais que je regardais et que j'adorais aussi. Euh, c'est un euh, des maîtres de l'univers. Alors, je sais, euh, alors, il s'appelle Ordac. Il n'avait pas cet objet-là. Nous, on lui a rajouté, parce que normalement, à ce qu'on a regardé, il aurait une arbalète comme ça. Et on a pas mal de... on avait trouvé une fois sur une foire à tout, plein de petits objets pour les maîtres de l'univers. Donc du coup, on lui a, on lui a mis celui-ci. Euh, je sais aussi Cordac est euh, le méchant dans euh, Shera, euh, mais euh, il est quand même estampillé pour les maîtres de l'univers, et il est surtout au, au niveau de la grandeur pour les maîtres de l'univers, car Shera les petites poupées sont quand même beaucoup plus petites. Donc voilà, donc lui, bah, on ne l'avait pas. Il est plutôt, je dirais je pense, en bon état. J'ai l'impression que là il faisait quelque chose, mais nous ça ne fonctionne pas. Donc je ne sais pas du tout. Bon, bah, il n'est pas complet, hein. c'est rare de les trouver euh, complets, mais bon, ça fait un petit personnage de plus dans la collection euh, des maîtres de l'univers. Donc on était content, bah, je vais le poser et je vais vous montrer en même temps ce qu'on a au niveau de notre collection sur les maîtres de l'univers. Donc voilà, je l'ai posé dans la collection euh, pour les maîtres de l'univers. Voici notre petite euh, collection. Au niveau du château, il nous manque une partie. On a juste trouvé cette partie-là. Pas facile à trouver. Il nous manque pas mal d'accessoires. Mais au fur et à mesure, on arrive à compléter certaines choses. Donc voilà tout ce qu'on a sur les maîtres de l'univers. Voilà. Alors ensuite on a trouvé sur le même stand hein, toujours euh, quelques petits vinyles qui venaient agrémenter euh, notre collection de vinyles enfants. Donc d'abord moi j'ai trouvé, moi je suis une grande fan des schtroumpfs, j'ai trouvé euh, le livre disque euh, des schtroumpfs, j'en avais déjà un ou deux, euh, et j'ai trouvé euh, la mouche. Bzzz. Donc euh, voilà, très contente. Ensuite, ils ne sont pas en excellent état, mais comme on ne les avait pas, je les ai pris. Euh, on a trouvé XOR, donc ça, très content, parce que moi, c'est moi qui suis fan de XOR et mon mari est fan de San Kukai. On a, pas, on a une petite différence d'âge et on n'a pas regardé les mêmes choses. Donc euh, voilà pour XOR. Ensuite, on a pris celui-ci car on ne l'avait euh, jamais vu. C'est Les Quatre Amis avec Fabrice. C'était sur Antenne 2. Euh, donc euh, voilà, et ça on n'en avait pas de souvenir, je sais qu'il a présenté cette émission là, les petits personnages me disent quelque chose, par contre euh, la musique euh, pas du tout. Et enfin on a trouvé celui-ci, alors pareil la pochette est pas génialissime, les gobots. Et pareil celui-là on l'avait pas. Donc voilà, ça ça rentre dans la petite collection. Ensuite, ensuite on a trouvé des puzzles et surtout un... Euh... Pour... Enfin, on n'a rien du tout de ce dessin animé là, donc euh, bah, j'étais contente d'au moins trouver le pulse et c'est le pulse 4 size. Voilà un pulse de 100 pièces. Bon, il a quelques petits trucs, hein. il n'est pas parfait, par contre, il est complet, donc euh, ça c'est assez sympa. Euh, donc voilà, donc je vais le mettre avec la collection des pulse et 4 euh, size, bah, j'ai rien du tout. Donc, euh, très content d'avoir trouvé ça. Et enfin, euh, dans mes chouchous de, mes, de ma collection, moi j'adore je, je, l'inspecteur Gadget. J'ai trouvé, c'est le mon premier pulse pour euh, l'inspecteur Gadget. Donc, euh, c'est un pulse de, je ne sais pas combien de pièces celui-là 100 pièces. Et euh, il est super bien, il n'est pas trop abîmé, un petit peu là. Et pareil, il est complet. Donc, euh, on était content de, de trouver ça. Et enfin, elle nous a offert pour mettre dans notre collection un sachet de tang. Voilà, ils ont refait, euh, ils, on retrouve le tang surtout en Espagne. Et euh, elle m'a offert celui-ci à la fraise qui ne sera jamais utilisée, car euh, c'est vrai. Alors déjà moi j'aime pas ça. J'aimais pas ça quand j'étais gamine. Mais euh, je sais que mon mari, il aime bien, mais bon voilà, on veut le garder pour l'objet euh, de collection. Donc voilà pour notre trouvaille à la convention Geek. C'était super sympa d'avoir ce stand, en plus ils avaient euh, exposé, euh, bah, je vous mettrai quelques photos si euh, j'y pense, euh, ils avaient exposé donc une pièce des années 80 avec euh, tous les objets des années 80, c'était super sympa, en plus euh, la dame qui tenait le stand était superbe, super gentille, donc euh, c'était vraiment euh, très très agréable de passer ce petit moment avec eux et de trouver euh, de si belles choses. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, J'ai vu qu'il y avait pas mal de, de nouveaux abonnés et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir et activez la petite cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et euh, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.